Pascal, nous arrivons dans une de vos serres. Vous produisez une grande spécialité de la maison, les plantes à massif. Oui, les plantes à massif en barquette. On fait à peu près 4 millions de plantes à massif annuelles. Donc là, il y a trois variétés différentes choisies par Truffaut qui vont être présentées dans les différents magasins. On va les voir d'un peu plus près? Bien sûr. Donc là, Pascal, on a les trois mélanges dont vous me parliez. Ils sont devant vous. Donc là, au niveau des teintes, en impatience, on trouve à peu près tout. On trouve des coloris, des mélanges plutôt foncés, du violet, du rouge, etc. Et là, on a plutôt un mélange type pastel, un peu plus clair. Et on a également un autre mélange plus dans les violines et dans les blancs. Quels sont les besoins pour l'impatience? C'est des produits qui sont destinés à décorer les massifs. C'est une plante qui demande plutôt une partie mi-ombragée, mi-soleil. Donc faire attention, un soleil trop persistant dans la journée peut les bloquer un petit peu. Et au niveau du sol, un besoin particulier? Oh, il faut un terrain assez léger, hein. C'est pas très exigeant, la patience pousse plutôt bien. Ce qu'il faut, c'est bien bêcher le terrain et ça fera des très très belles bordures et des très très belles masses de fleurs pendant tout l'été. Donc l'impatience va fleurir jusqu'à quand à peu près? Jusqu'aux toutes premières gelées. Hein. C'est une plante à massif annuelle, donc qui a son cycle de végétation sur le printemps, été et début d'automne. Est-ce que c'est une plante qui a tendance à s'étendre? Elle peut prendre de l'ampleur, hein. Il suffit qu'on l'alimente bien en eau, mais bon, elle sera aussi plus fragile. Il faut faire attention à ça. Logiquement, si on plante tous les 10-15 cm chaque pied, on aura rapidement une masse de fleurs et un tapis de fleurs. Donc cette impatience, est-ce que je pourrais la marier avec l'associer avec d'autres plantes qu'on a autour de nous? Elle est plutôt destinée à faire une masse de fleurs dans un massif. Et des trucs et astuces de professionnels, d'experts pour cette plante? Oh, il n'y en a pas forcément, c'est quand même une plante facile à travailler et à réussir chez le particulier, même s'il est un peu novice, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Donc ça me permet de facilement égayer un petit balcon qui serait exposé mi-ombre? Complètement. Là, ça fera le bonheur des invités.